Bonjour à toutes et à tous, mémineux, méminettes. On se retrouve sur un nouvel épisode de Castle Crasher. La dernière fois, après avoir battu, enfin après s'être battu courageusement contre le chef barbare, qui a son nom juste en dessous, en plus, nous allons maintenant pouvoir avancer dans l'épopée de ce chevalier à moitié paladin et sorcier. Et c'est parti. Donc je suis là avec ma belle petite hache ensanglantée. Ces trucs ressemblent étrangement aux poulets de The Behemoth. Ah ouais, d'accord. Bah tu les auras, ces reliques. Donc je suppose qu'il faut aller de l'autre côté. Ah bah évidemment. Il y a des corps décapités. Eh, c'est ce truc en combattant une monture, ça me rappelle un peu Golden Axe. Où tu montais un dragon et puis tu crachais du feu et tout ce qui s'ensuit. Ok. Comment on utilise le dino? Comment on l'utilise le dino? J'arrête pas de le perdre. On peut pas l'utiliser en fait, j'ai l'impression. Ah si, c'est à la place de notre attaque magique. En tout cas, lui est bourrin. Il attaque rapidement aussi. Ok. Et il fait du 10 en dégâts quand même. Ouais, ça va pas être de la tarte. On va se régénérer une potion. Et on a plus de potions, nada, que dalle. D'accord. Alors maintenant on va affronter ces voleurs. Qui sont super chiants. Allez hop. En tout cas, du 10 en dégâts, ça se refuse pas. Voilà. Alors, rendez-moi visite pour info sur les armes. Non, on va pas prendre ça du coup. Voilà, c'est ce que je voulais choisir. Et on peut avancer tout en envoyant des flèches. Et il a une grosse hitbox de dégâts, pas le dragon, mais on va dire le dinosaure. Il a une grosse portée. Alors on va faire la blende de dégâts avec 7 alliés de taille. En tout cas, ils ont beaucoup de PV, hein, ces petits gredins. D'accord. Ah bah en tout cas j'ai perdu ma monture. Il a cru que je l'avais pas vu. Hein, je peux lui faire une prise?
Il est mort à cause de ma flèche. On va pouvoir continuer. Ah, sérieux. Ah, non, sérieusement. Il s'est tellement fait dessus que... Bah, qu'il est mort, quoi. Ah ouais, c'est un peu dégueu. Ah bim, le combo. On peut pas envoyer des flèches en l'air, ça par contre c'est un peu dommage. Bon, peut-être à arrêter avec leurs flèches. Ah mais je suis bête, pourquoi je me défends pas? À cause de lui, j'ai pas pu aller récupérer la pièce. C'est grave. Ouais, c'est plutôt chaud quand même. Ah, sérieusement. Il me reste plus beaucoup de PV. Et me voilà mort. Bon, on peut toujours augmenter nos attributs. Genre, un peu plus de puissance. Et un peu plus de défense. C'est parti. Ah, d'accord. On a passé une zone en fait. C'est bien, on reprend de là. On n'a pas tout perdu. En tout cas, on a plus de potions. On a vraiment plus de potions quoi. Ouais, encore la cinématique. Merci beaucoup. L'aile. Ah mais sérieux quoi. Ah ils peuvent ramasser les bonus. J'avais pas fait gaffe à ça. D'accord. Oh, ça c'est pas mal, c'est nouveau même. Ah mais ils sont trop sur moi là. Oh, ce que je leur ai mis. Bah voilà, ça meurt tout ça. On récupère un peu de vie avec les hautes herbes. Ça aussi c'est bien dégueu. Allez, allez, allez. Oh là là. Bah,
je commence à comprendre pourquoi le jeu est quand même dur. Parce qu'on est qu'au deuxième niveau et j'en bave déjà pas mal. Alors. Ah, des indigènes. Qui ne sont plus des indigèneurs. Cassage de dents en règle. Et je viens de remarquer que depuis tout à l'heure je me trimballe avec un marteau à pic. Ça doit vraiment faire mal en fait. Sérieux là, il s'est rien pris. Il s'est rien pris de ma magie. On va quand même prendre ça, c'est mieux. Ah là, ça passe. Sérieux ? Ah, à ce point-là. Ok, d'accord, il fuit. Hey, j'ai un familier qui me suit. Ah, mais sérieux, les flèches sont trop rapides, quoi, à placer. Ah ouais, carrément, je lui fais la misère au boss. Allez hop. Tout ça, ça fume. En tout cas, il en met partout des indigènes. Ah, quel combat! Allez, au revoir. Y'a plus qu'à partir. Et là normalement on va être poursuivi. Ah ouais, carrément ici. Ado d'un chamois ou... D'accord. Waouh. Alors, on va se calmer. Et faut pas que je me bouffe les troncs en fait. Faut pas que je sois trop près de l'écran. Faut pas que je sois trop près du monstre non plus. Ça va, il fait pas très très mal. D'accord. Alors tout pour le moment ça se passe assez mal. Je sais pas combien de temps dure cette épreuve. Mais à mon avis, je crois que là c'est un peu mal barré.
Oh là là. À sauter par-dessus à chaque fois. Bon alors, c'est fini ? Non ! Ok. On va prendre une monture. Voilà, on va prendre ce poisson. On va restaurer un peu notre nourriture. D'accord. Ils ont pas beaucoup de PV, j'espère. Bon, ça va. Il meurt assez vite. Ah mais c'est rocher, sérieux? Bon, au moins lui il meurt. Allez, vous dégagez les chauves-souris. Maintenant que je sais que vous faites mal. Là, je me suis fait avoir. Allez hop. Ah, nouvelle combinaison. Ah oui, pas mal. Pas mal. Eh, on monte. À moins qu'il y a... Ouais, il y a un gros boss, ouais. C'est moi le vrai chat ici. Toi, tu vas retourner comme un gentil poisson-chat dans l'eau. Je vais te montrer ce que le roi des minous sait faire. Oh là. Il va être assez long à battre, je pense. Bon, on lui fait du 2 à chaque fois, il a vraiment une bonne défense. Hein. Et on peut pas lui faire autrement que du 2, j'ai l'impression. Je pense que seul le DPS pourra quelque chose contre cet ennemi. Moi qui disais tout à l'heure qu'on pouvait pas lancer de flèche en étant en l'air. J'ai l'air de bien m'être fait. Ah ! Un moyen de transport ! Ça va durer un moment le combat. Vas-y, frappe-moi. Je sais que t'en meurs d'envie. Eh, comment je t'enchaîne, mon gars. Je me balade sur un cadavre, quoi. Ouais. Tu m'auras pas comme ça. Ah, il est à mid-life. La puissance va être importante, j'ai l'impression, quand même. Parce que les boss ont l'air d'être longs.
Oh, il change de phase. Il se prend le bateau. T'es quand même un poisson-chat bien idiot. D'affronter ton maître. Un poisson-chat requin, au passage. Ok. En tout cas, il se prend énormément de dégâts. Ah, je l'ai pas vu venir, son coup. Mais il fait pas énormément mal, encore une fois. Allez, au revoir. En tout cas, son bateau à l'autre, il est bien costaud. Bah, excusez-moi deux secondes. Heureux de cette petite ellipse. Donc, on va en finir avec ce miné insolent. Viens par ici. Viens t'éclater avec nous. Parfois, là, sa hitbox, je la comprends pas. J'ai perdu mon moyen de locomotion. En tout cas, tu as bientôt décédé. Je me suis fait prendre des dégâts. Mais bon, j'ai plus de vie que lui. On va s'en sortir. Hop. Allez, au revoir. La mêlée, c'est le mieux. MDR. Succès déverrouillé. XP. Ah, même pas 1000 quoi. Bon bah, très bien. On a à nouveau des points à mettre. On va remettre un peu dans la puissance. Un peu dans la défense. Et vous savez quoi, on va mettre 2 dans les pouvoirs magiques. Nouveau pouvoir magique. Ah, on a des pouvoirs magiques de débloquer. Et ben on verra ça la prochaine fois. Là pour le moment, on va aller voir le... Où est-ce que c'est? Je pense que c'est ici. Ouais. Ils ont dévalisé le magasin. Ah, je suis plus le même de la dernière fois. Vous m'aurez pas. Même si vous m'avez jamais eu à cette... Ah oui, bah en fait non. Il est pas disponible dans les combats. On va évidemment s'acheter une potion. Deux potions. Normalement, je pense qu'on peut s'acheter ça. Je comprends pas pourquoi. J'ai jamais su pourquoi on ne pouvait pas se l'acheter. En tout cas, on s'est refait le plein en potions. Le magasin des voleurs. What? What? Ah non, non, on a... C'est la touche rentrée à la maison, d'accord. Le magasin des voleurs. What the... Peut-être, mais non. Ça a pas l'air intéressant. Le moulin abandonné. L'arène des voleurs. Ouais, d'accord. Bon. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, mes minous. Je pense avoir oublié de vous demander si vous avez apprécié la vidéo en commentaire. Et avoir oublié de vous dire de pousser et de partager, mais bon.
Comme vous le savez, à vous de décider ce que vous voulez faire. Ciao ciao.